سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بيوغرافي دو بروفيت صلى الله عليه وسلم. عاشراً: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. بينما كانت قريش تدرّ المسلمين، انتشر الإسلام في المدينة. اقترح اهلها على النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقبلوه في مدينتهم هو واصحابه ليعيشوا دينهم بحريه راى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في المنام تاركا مكه للمدينه ولذلك اذن لاصحابه بالذهاب للاستقرار فيها سارع الجميع في ترك مكه الا الذين منعتهم قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتظر ان ياذن له ربه بالذهاب فهمت قريش بذهاب المؤمنين الى المدينه ان الاسلام لن يزال ينتشر وان المسلمين سيتقوون فقرروا قتله قبل ذهابه ولكن الله قلب خطتهم وامر نبيه بترك مكه للمدينه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا مع صاحبه الوفي ابي بكر بقي ثلاث ليال في غار انطلقت قريش مطاردين اياهما فوصلوا الى مدخل الغار ظن ابو بكر قلقا انه سيكشف عليهما لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمانه قائلا له لا تحزن ان الله معنا عادت قريش أدراجها دون أن يدخلوا في الغار، وكذلك نصر الله رسوله وصاحبه. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر طريقهما وتوجه نحو المدينة. كان المسلمون الذين وصلوا إلى المدينة من قبل ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم فلما رأوه فرحوا به ما فرحوا بشيء اخر كانوا اليوم معا في امن لعباده ربهم ديزيما الهجره du prophète صلى الله عليه وسلم et de ses compagnons à medine Alors que les Quraysh faisaient du mal aux musulmans, l'islam se propagea à Médine. Les habitants de Médine proposèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'accueillir dans leur ville, lui et ses compagnons, pour qu'ils puissent vivre leur religion librement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fit alors un rêve où il se vit quitter la Mecque pour la ville de Médine. C'est pourquoi, il autorisa à ses compagnons de partir s'y installer. Tous s'empressèrent de quitter la Mecque, sauf ceux qui en furent empêchés par les Quraysh et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui attendait que son seigneur lui donne l'ordre de partir. Avec le départ des croyants vers Médine, les Quraysh comprirent que l'islam ne cesserait de se répandre et que les musulmans deviendraient plus forts. Ils décidèrent alors de tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant son départ. Mais Allah renversa leur plan, et donna l'ordre à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de quitter la Mecque pour Médine. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, partit donc de nuit avec son fidèle compagnon Abu Bakr. Ils restèrent trois nuits dans une grotte. Les Quraysh partirent à leur poursuite. Et arrivèrent à l'entrée de la grotte. Abou Bakr, inquiet, pensait qu'ils allaient être découverts, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le rassura en lui disant Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Les Quraysh rebroussèrent chemin sans rentrer dans la grotte. Ainsi, Allah sauva notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son compagnon. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et Abou Bakr Reprirent donc leur route et se dirigèrent vers Médine. Les musulmans qui étaient déjà à Médine attendaient chaque jour l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils le virent, ils éprouvèrent une joie sans pareille. Ils étaient aujourd'hui réunis et en sécurité pour pouvoir adorer leur seigneur. Fawahid, bon à savoir. كانت المدينة تسمى يثرب أيضا. La ville دو ميدين était أوسي يثرب. المؤمن هو الذي يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمى الذي لا يؤمن كافرا. Un croyant est celui qui croit en Allah et en son messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tandis que celui qui ne croit pas est appelé mécréant. Yusamma al-muslimun al taraku Makkah li fil Madinah al Muhajirin wa yusamma muslimu al-Madinah alladhina istaqbaluuhum al-ansar. Les musulmans qui ont quitté la Mecque pour s'installer à Médine sont appelés les Muhajirun Et les musulmans de Médine qui les ont accueillis sont appelés les ansar. Es-Ila. Question. Awalan. Masmul madinati lati hajara ilayha النبي sallallahu alayhi wa sallam wa ashabu. Premièrement. Comment s'appelle la ville vers laquelle le prophète sallallahu alayhi wa et ses compagnons ont fait la hijra? Thânien, Deuxièmement, comment s'appelle le compagnon qui était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte?